We wait for 2 weeks, 3 weeks, sometimes a month, 2 months, and he is not brought before the court. When we see he's in the court, we go and see them in prison. And a lot of them, we see the effect of torture in their body. They are burned. We can see the chain in their hands. We can see the torture still on their body. À l'extérieur de Blida, ces policiers suivent un entraînement antiterroriste. Ils simulent une attaque contre une cache de combattants dans la montagne. On leur enseigne que toute personne sur le terrain est un terroriste en puissance. Une position extrême qui se solde parfois par des exécutions sommaires. C'est la nuit, bien sûr c'est le couvre-feu, tout le monde dormait à la maison et après on a entendu des coups. Et après il m'a dit, il vaut mieux aller calmer les enfants dans la chambre, moi je vais ouvrir. Et quand il est parti pour ouvrir, avant même d'atteindre le seuil de la porte s'est cassée. Elle s'est cassée et mon mari, il était debout devant la porte, les mains en l'air, parce qu'il avait bien, il avait bien sûr imaginé que c'était policier. Il a mis les mains en l'air et on lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus sans savoir même qui c'était. Et ils lui ont tiré la première balle sous son aisselle, vu qu'il avait les mains en l'air, et la deuxième balle en plein cœur. Il est tombé sur le divan, et bien sûr, je n'arrivais pas à réaliser si j'étais en train de dormir, de rêver ou de faire un cauchemar ou quoi que ce soit. Je n'ai pas pu réagir, je ne savais pas quoi faire. Et après, le policier il m'a dit, qui c'est cet homme? Bien sûr, après avoir tiré, il voulait savoir son nom. Moussaoui a 6 enfants. Son mari était comptable. Alors qu'il gisait, mourant, les policiers ont refusé de l'emmener à l'hôpital. Je dis, mais il fallait au moins faire une enquête, parce que dire que venir tuer quelqu'un et dire que c'est un terroriste, c'est une accusation gratuite. Tout le monde peut faire ça, c'est pas une justification. Alors ils m'ont dit, on n'est pas venu pour faire une enquête, on est venu pour tuer. Ils ont attendu dehors. Jusqu'à ce qu'il soit éteint complètement, parce que j'ai vu qu'il allait mourir. Il a perdu tout son sang. Je lui ai fermé les yeux et je l'ai couvert et il est mort. Ah. Et après, ils sont venus l'emmener. Depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas s'ils l'ont enterré ou la... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont dit, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de le voir, vous n'avez pas le droit de l'enterrer, c'est un terroriste, c'est une loi. Les quartiers pauvres d'Alger, comme la Casbah, sont devenus des zones interdites aux personnes extérieures. Les intégristes y sont particulièrement puissants. Là où un père est tué par les forces de sécurité, il y a une mère, un fils, qui soutiennent le mouvement. C'est dans ces ruelles que l'armée française combattait le FLN il y a de cela 35 ans. Les mêmes scènes de violence s'y rejouent aujourd'hui. Et une fois encore, chaque meurtre renforce la barbarie de part et d'autre. Ils sont traumatisés, les Algériens, oui. Indépendamment de mon affaire, hein, ils sont traumatisés. Les gens, ils n'arrivent plus à ouvrir les portes. Dès que vous frappez chez eux, ils n'ont pas confiance à ouvrir la porte. Ils sont traumatisés. Ils en sont malades. Ils en sont malades. Et il y a des cas, mais là où ça s'est passé, hein, c'est normal qu'ils soient traumatisés. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, tout ça. Mon fils, ils l'ont tué alors qu'il était chez lui en train de dormir. Mais ça bouge, elle fait un clash ou là, ça bouge, fait que chez moi. Ça bouge, fait d'un ou l'autre.
crise actuelle s'est nouée durant l'été 1991. Le FIS, le Front islamique du salut, était alors en campagne pour des élections prévues l'hiver suivant. Les premières élections libres que le pays allait connaître depuis l'indépendance. Et les leaders du FIS se préparaient à gouverner. D'autant plus que le premier tour de scrutin allait les placer largement en tête. Mais pour les chefs militaires algériens, il ne pouvait être question d'un gouvernement islamiste. Une vague de troubles éclata, à la suite desquels les leaders du FIS furent arrêtés et le parti interdit. Les intégristes encore en liberté prirent alors le maquis dans les montagnes. L'Algérie est à moins de 250 km des côtes sud de l'Europe. Aujourd'hui, les grandes villes comme Alger vivent encore tant bien que mal, malgré les difficultés économiques croissantes et la peur des attentats. Les combattants islamistes ont installé leur base dans les montagnes entourant les grandes villes, un terrain idéal pour la rébellion. Pour rejoindre le camp de la guérilla où nous nous rendons, notre équipe passe d'abord par Blida. Ici, la police est omniprésente. Toutes les entrées de la ville sont contrôlées. Mais le long des 150 km vers l'ouest, sur l'une des principales routes du pays, il n'y a aucun signe de présence gouvernementale. À Chlef, le commissariat est fermé. Et les montagnes avoisinantes abritent les membres de l'AIS, l'armée islamique du salut. Ces combattants ont la réputation d'être des tueurs barbares et impitoyables. C'est depuis cette base, dans l'un des villages disséminés sur les coteaux, qu'ils lancent leurs opérations d'assassinat. Trancher la gorge est l'une de leurs méthodes d'exécution favorites. Par groupe d'une centaine, ils se déplacent pratiquement librement. Seul un hélicoptère de l'armée pourrait les attaquer. Selon eux, l'assassinat aveugle d'étrangers a réussi à isoler et affaiblir le régime d'Alger. Et si celui-ci se maintient au pouvoir, c'est grâce à l'aide financière qui lui vient des États étrangers. على اختيار شعب طبعا هذا المفروض كان من احسن الخير لهم هم انهم يجبدوا الرعايا نتاعهم وما يسالوش هذا النظام خير من اللي يحاولوا كيفاش يامنوه يجيبوا يرسلوا له اجهزه امنيه باش تتامنوا لهنا من طرف من تكون تامنوا مش شعب هذا شعب وهذا الامر شرعي من ناحيه شرعي فهو شرعي فانتهجنا الناجي المسلح وحملنا الأسلحة لنقتلع جذور هذا النظام بالسلاح. La plupart des combattants ont des fusils. Environ un tiers possède des armes automatiques volées à la police. Ils sont en contact direct avec la direction politique à Alger. Mais leur chef militaire souligne bien qu'aucune décision politique ne peut être prise sans qu'ils soient consultés. Parmi eux, il y a aussi des membres du GIA, l'organisation rivale, considérée comme encore plus impitoyable que l'AIS. Ces hommes au visage dissimulé pénètrent incognito dans les villes pour tuer. Dans ces montagnes, les deux factions islamistes travaillent la main dans la main. Elles admettent différer parfois sur les méthodes, mais partagent le même objectif. Ici, l'armée islamique du salut a établi son propre contrôle routier. Un puissant symbole du territoire conquis et un défi cinglant au pouvoir algérois. Un camion traverse, transportant des membres du GIA. Il y a des zones. Entre ces zones, les mujahidins se déplacent dans ces zones avec toute facilité. بكل سهولة عن طريق الرجل عن طريق السيارة عن طريق جميع الوسائل
والطاغوت أو النظام النظام الجائر لا يزور هذه المنطقة إلا نادرا. Ils ont un hôpital de fortune avec un médecin diplômé. Le matériel vient d'Alger. Tout près, une fabrique de bombes avec des détonateurs, des batteries.